Bonjour tout le monde et bienvenue ici à Schiltigheim pour le tirage au sort donc de ce prochain tournoi IPSA Blind Football World Grand Prix 2024, tournoi qui aura lieu du 25 mai au 1er juin prochain au Stade de l'Art. On va le faire en anglais et en français puisqu'il y a des personnes avec nous sur les réseaux sociaux, sur internet et puis également des équipes qui vont participer. So hello everybody and welcome here in Schiltigheim for the draw of the next IBSA Blind Football World Grand Prix 2024 tournament which will take place from May the 25th to June the 1st. So as I said it before, we're going to do it in French and in English because people are with us from all around the world live on the internet. So welcome everybody and thanks for being with us today. We're going to explain to you how we are going to do this draw, but before we have the chance to have with us officials, they're going to take the microphone to say a few words, some speeches about the competition. On a la chance d'avoir avec nous eh bien, des officiels et on va donc leur laisser la parole pour revenir un petit peu sur ce bel événement et on va commencer. We're going to start with Daniel Dambar, maire de Schiltigheim. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans la salle du conseil municipal de notre belle ville de Schiltigheim. Welcome to everyone in Schiltigheim. What a pleasure for me to be around the representation of the draw of the World Grand Prix of CC Foot 2024, which will be held again this year in Schiltigheim. I am delighted about it in this year, in these Olympic and Paralympic Games in France. It is a real source of pride for our town and recognition for the Schiltigheim Sporting Club to be recognized for its CC Foot facilities. Le World Grand Prix de CC Foot se déroulera cette année entre le 25 mai et le 1er juin. 8 nations toutes présentes aux Jeux Olympiques sont accueillies. La France, bien sûr, le Brésil, le Japon, monsieur le consul, soyez le bienvenu, la Chine, l'Argentine, la Turquie, la Thaïlande et la Colombie. L'édition 2023 a été une belle réussite d'un point de vue sportif, inclusif, festif, un vrai moment de partage. Merci à toutes et à tous. Je me réjouis donc de retrouver cette manifestation cette année, car au-delà du tournoi d'excellence et de la préparation aux Jeux paralympiques, c'est également une dimension sociale, sociétale importante que nous déclinons à Schiltigheim. À ce stade, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis à Schiltigheim d'accueillir une fois encore cette compétition internationale en préparation des Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci à l'organisation du World Grand Prix de nous avoir fait confiance en choisissant une nouvelle fois Schiltigheim. Merci au Sporting Club de Schiltigheim qui a porté cette candidature et qui organise ce tournoi dans nos installations. Merci beaucoup Pierre Schlinger, Rémi Garanger. Merci aux élus de la ville, à Sophie Mémant-Pazir et Tomislav Najdowski, ainsi qu'à nos services, notamment David Dupré et Nelson Dacosta, qui ont défendu aux côtés du club notre candidature avec conviction. Merci aussi aux mécènes, mécènes de l'année dernière, mais aussi mécènes de cette année, qui, pour certains, sont nouveaux. Donc, merci pour cette confiance. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir contribué à cet événement majeur. Il y a notamment KS Promotion, il y a la Fondation du Crédit Mutuel, mais il y a bien sûr aussi les autres collectivités, la région, chère Irène Weiss, l'Eurométropole, Vincent Debesse, bien sûr la CEA, Daniel Diligent, soutien de la première heure. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci aussi au Sporting Club en particulier, premier club de football du Grand Est à accueillir une équipe de CC Foot. Nous avons soutenu ce projet immédiatement en construisant une installation adaptée pour que les joueurs puissent pratiquer ce sport en toute sécurité. Et les soutiens de la première heure, je salue la CEA et Daniel Diligent représente cette collectivité, d'avoir fait confiance à ce sport et à ce, j'allais dire aussi, cet événement qui était pour le moins innovant et maintenant sans racines dans notre commune. Un grand merci bien sûr à Rémi Garanger pour son engagement auprès de l'équipe. C'est aussi son investissement et l'investissement de l'ensemble des bénévoles
qui permet maintenant au Sisyphus de se développer et d'atteindre un rythme encore plus important. Schiltigheim sera cette année encore derrière son équipe de France et j'en suis convaincue que les moments sportifs seront nombreux, comme lors de la dernière édition. J'ai envie de dire allez les Bleus et longue vie au World Grand Prix de Sisyphus. Merci pour votre attention. Merci Daniel Dambar. Place maintenant à Elias Mastoras, président de l'International Blind Sport Federation Football. Elias Mastoras is with us on visio. Est-ce qu'il est avec nous, Elias? It is a pleasure for me that the strongest ever edition of the World Grand Prix will happen this year in France, in Strasbourg, and we are all very excited. 7 out of 8 qualified teams for Paris 2024 will be there. And I was also there with you today, but also my birthday today of my 15th birthday, so I will be with you in May. This year in Paris, we are going to have 13,000 spectators in every game. The sports initiation, so it's like a turning point for us, for our sport. And we'll do our best in the World Grand Prix in Strasbourg to showcase the sport that we love. And of course, I know that now will be only the men edition, but this year we're going to have also later on a World Grand Prix for women. And all my efforts, all my vision for all together to be in LA, not only the men edition like this year, but also the women there. And once again, I would like to congratulate each one of you, but for all the efforts that you put about our favorite sport. So, thank you very much. Merci. Et on rappelle, happy birthday to you, Elias. It's your birthday today, so happy birthday to you. Merci. And thanks. So we're going to have the translation. On va avoir la traduction avec Margaret qui est avec nous. Merci Margaret de nous faire la traduction. Pas de souci. Moi, je pense qu'il était très heureux de savoir qu'on allait encore une fois faire le tournoi ici à Schiltigheim, en plus cette fois-ci avec l'IBSA. Donc voilà. Thanks a lot, Elias, for being with us today, this morning. Gaëlle Rivière, désormais vice-président délégué de la Fédération française anti-sport, est avec nous et c'est à vous, Gaëlle. Hello, everybody. I don't know if you can hear me. It's yes. Fine. Okay. Just a few words in English, and I will switch in French after. Just to say, I'm very, of course, happy and proud to be here once again for the World Grand Prix in Schiltigheim. It was a pleasure to have this competition in her country and to have this competition in this city and in this club, because we saw during the last two first Grand Prix how the level of the Grand Prix were, and it was amazing. The two first time was amazing, were amazing, and I guess that we will have another amazing World Grand Prix in just before the Paralympic Games. Almost all the team that will be in Paris will be there also, so the quality will be there in Schiltigheim. You will have the best players who will play in your city, and also I think we could expect the same audience that we had during the last sessions. I think the IBSA saw the quality and of the organization, the way we involved the people of the city in the competition, and I think they did a good choice by choosing the Schiltigheim to host this World Grand Prix here in Schiltigheim. Merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle fois, Madame le Maire, dans ce lieu. Nous avions eu le plaisir d'être ici il y a 2 années successives. Et je me souviens la première fois où nous étions réunis avec les collectivités, avec le club bien sûr, puisque c'est lui qui porte le lourd fardeau et le succès aussi de cette édition en grande partie.
Nous étions en train de nous dire allons-y pour une première édition et puis peut-être nous verrons bien si nous arrivons à rééditer cette organisation et pourquoi pas aller jusqu'aux Jeux paralympiques en faisant le World Grand Prix d'ouverture des Jeux paralympiques, si je puis dire. Eh bien, peut-être que nous n'étions pas si nombreux à y croire. Eh bien, nous y sommes maintenant, 3 ans après. Et je dois dire que c'est une énorme fierté parce que, comme je le disais tout à l'heure en anglais, on n'a pas réussi seulement à accueillir durant 2 éditions des équipes pour jouer au CC Foot dans un lieu donné. On a réussi à créer, je crois, un enthousiasme autour de ce sport dans cette ville. Et c'est là, à mon sens, le réel succès. Nous avons créé un enthousiasme autour, non pas seulement du sport pratiqué par certaines personnes en situation de handicap, avec, comme cela peut apparaître souvent, une curiosité seulement du public qui vient voir avant tout des personnes en situation de handicap pratiquer un sport. On a réussi au fil des éditions, avec le concours du club, avec c'est la promotion qu'il a faite de ce sport, avec la qualité du jeu aussi qui a été proposé, on a réussi à faire, je crois, un public de connaisseurs maintenant. Et les gens viennent voir le CC Foot, les gens de Chiltikheim viennent voir, de la région, viennent voir le CC Foot en vivant les émotions d'un sport de haut niveau, en étant attirés par l'enjeu sportif, par la qualité sportive et par la performance sportive. Et je crois que c'est ce qu'on peut espérer de mieux quand on agit dans le milieu du handisport, c'est que le grand public s'intéresse à la performance sportive et en oublie le handicap. Je crois que nous y sommes parvenus et bravo pour cela. Merci beaucoup. Merci. Merci à Gaël. Passe maintenant à Irène Weiss, conseillère régionale déléguée Grand Est. Okay, so I would like particularly to thank Madame la mairesse of Schiltigheim for inviting us here. And it's the second consecutive year that the Blind Association football has been welcomed in Schiltigheim. We were all set for a first edition and we decided why not to go ahead for the Olympic Games. And here we are, all set. And what we see is that it has created an enthusiasm around Schiltigheim for people who were totally unaware of the Sessifoot and the benefits that this brings to people of all stages in life and how they can appreciate what a sport of handicap can bring to the whole community. And we see it has created an enthusiasm for this sport, and it has inspired the public to be aware of such a high quality of sport. And it is thanks to the devotion of the volunteers and the different associations in Schiltigheim that we owe our thanks. Thank you. Thanks to Margaret for the translation. Si vous faites un discours en anglais et en français, on évitera de faire la traduction après Margaret. Donc je ne sais pas si Irène Weiss, donc, qui est avec nous désormais, conseillère régionale déléguée Grand Est, qui on vous écoute cette fois-ci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me permets de m'associer aux salutations précédente. Merci, cher Président, pour l'organisation de ce tournoi, ainsi que la ville de Schiltigheim, évidemment, de l'accueillir depuis maintenant 3 ans. On l'a vu, c'est le symbole également d'un travail collectif et je m'en réjouis. Je m'en réjouis de ce travail collectif, d'accueillir cette 3e édition dans la région, de la soutenir, car je crois, de façon ferme, que à travers ce soutien, on démontre le dynamisme, l'engagement du collectif et de promouvoir justement ces événements sportifs de grande ampleur et surtout la pratique du handisport. Donc, on l'a dit, hein, durant une semaine de compétition, le club de Schiltigheim accueillera à nouveau pour la 3e édition les meilleures équipes internationales de la discipline dans ces installations qui sont désormais, et je remercie la ville de Schiltigheim, aux normes olympiques et pourra surtout servir de préparation aux Jeux, aux nations qualifiées pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et je pense qu'on peut en être fiers.
Je suis heureuse à plusieurs titres, déjà parce que ça nous permet de réunir les meilleurs joueurs du CC Foot et de profiter de l'attractivité de l'événement pour promouvoir également la pratique féminine, vu que le seul tournoi féminin de CC Foot en France sera organisé en parallèle de l'événement, et je pense que c'est important de le souligner. Et puis évidemment, la pratique pour les jeunes enfants déficients visuels, qui est une belle opportunité pour notre territoire. On est une terre de sport attachée tant à la performance qu'aux valeurs de solidarité, de partage, de bien-être. Et la pratique de handisport contribue pleinement à renforcer cette ambition et surtout à renforcer la perception que chacun peut avoir sur le handicap. Vous l'avez dit, des Chiliquois, des Strasbourgeois, des personnes de la région viennent aujourd'hui voir des matchs de CC Foot, sport qui gagne encore, malheureusement, peut-être encore à être connu. Et c'est ça aussi la valeur et l'importance de l'organisation de ce genre d'événements sur notre territoire. C'est promouvoir ce sport, c'est toucher des citoyens qui peut-être ne seraient pas touchés de premier abord, et de mettre en valeur l'handisport et la ville de Schiltigheim à travers ce tournoi. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui contribuent à l'organisation de cet événement, aux différentes associations, évidemment au club de Schiltigheim qui se bat dès la première heure pour l'organisation de ce tournoi, et puis pour mes collègues du département, de la ville de Schiltigheim, de l'Eurométropole, qui ont toujours été présents pour tenir ce tournoi. Aujourd'hui, je pense que c'est une grande fierté. On profite évidemment de l'émergence des Jeux à Paris et quelle belle opportunité. Je vous souhaite un bon tournoi et je me réjouis déjà d'être bientôt, d'ici 2 mois, à ce tournoi. Je vous remercie. Merci, Andreas. And for the people who are with us all around the world, so we have the translation with Margaret. Thank you, Margaret. Okay, I would like to thank the organization and the collective work for this third edition and to support it. It shows the dynamism and practice for handicapped people. And it is thanks to the help of Schiltigheim I can be proud and happy, and the best players of blind football are here in Schiltigheim. We can't forget the women's team too, which also plays a vital role. It also gives help to children who may also be partially sighted to know that they too can live and work and succeed in what they want to do in terms of sharing with other people. And people bring their support to blind football, making an awareness to the community of Schiltigheim and Strasbourg that people were possibly not aware of before. And it is thanks to all of those who contribute to this organization, and the colleagues who support can be proud of all that you do, and I wish you success in everything. Thank you. Thanks, Margaret. Daniel Diligent, désormais conseillère d'Alsace à la CEA. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais joindre mes salutations à celles de Madame la maire. On ne va pas les répéter. Mais je suis très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Tout le monde connaît mon engagement par rapport au CC Foot. Donc, c'est un très grand plaisir de pouvoir assister à cet événement qui célèbre le talent, la passion, la détermination. Je tiens à exprimer mes plus chaleureuses félicitations au Sporting Club de Schiltigheim, à la ville, ainsi qu'à toutes les fédérations sportives qui œuvrent pour l'organisation de ce Grand Prix. Je voudrais également féliciter toutes les équipes qui ont participé depuis 2022 à ce tournoi international. C'était une étape primordiale pour la préparation de nos sportifs français paralympiques. Cette année encore, la collectivité européenne d'Alsace soutiendrait cette belle manifestation sportive à hauteur de 30 000 euros. Je tiens à le préciser parce que nous avons triplé notre subvention, ce qui n'est pas rien dans les moments difficiles actuellement que connaissent les collectivités. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour que vous m'accordez pour saluer l'engagement du Sporting Club envers le sport adapté, pour saluer aussi votre capacité à rassembler des communautés autour des valeurs telles que l'égalité, le respect et le respect de soi. Vous avez démontré que le CC Foot est bien plus qu'un simple jeu. C'est un moyen puissant de briser les barrières et promouvoir l'inclusion à travers le sport.
La CEA est fière de pouvoir compter sur des clubs engagés pour l'égalité des chances pour tous, tels que votre association. En 2023, nous avons adopté une politique sportive unifiée à l'échelle de l'Alsace, avec une approche assumée où le sport est facteur d'inclusion, de santé et d'attractivité. Nous voulons faire rayonner et rendre l'Alsace attractive grâce au sport. Pour cela, nous avons adopté un nouveau dispositif pour soutenir le dynamisme des clubs, quelle que soit leur taille et leur niveau sportif. Ce sont au total près de 3 millions qui ont été consacrés en 2023 aux clubs alsaciens, du plus petit club rural jusqu'au grand club d'excellence dont vous faites partie. C'est pourquoi nous continuerons de soutenir financièrement. Du sport amateur aux athlètes de haut niveau, l'Alsace fourmille d'associations et d'initiatives qui font de ce territoire l'un des plus sportifs de France. Plus que jamais, 2024 est l'année du sport, l'année des défis, l'année des JO, mais également une année d'unité et de fraternité, une année où seront rassemblées des personnes de tous horizons, de toute culture et de toute nationalité autour d'une passion commune, le sport. Je vous remercie de votre attention. Merci Daniel Dijon, conseillère d'Alsace à la CEA. So now the translation with Margaret. Okay, I would like to thank the Lady Mayoress of Schiltigheim for organizing and supporting this event. I'm very happy to be with you today and honored to be able to take part in this event, which celebrates talent, passion, and determination. I wish to express my warmest congratulations to the Sporting Club of Schiltigheim and to all the sports federations which work together for this Grand Prix. I would also like to thank all those teams which have participated since 2020 for this international tournament of blind football, a major stage before our French Paralympic sports. This year, the European Collectivity of Alsace will support this event to the sum of €30,000. I would like to take this opportunity to thank the engagement of the Sporting Club of Schiltigheim towards the adapted sport, to also thank for your ability in bringing communities together, showing equality, respect of others and of oneself. You have shown that blind football is more than a simple game. It is a way of breaking down barriers to promote inclusion through sport. The European Collectivity of Alsace is proud to count on clubs which are committed to equality for all. In 2023, the Collectivity of Alsace adopted a new sporting equality united throughout Alsace in exclusion and thanking not only the major clubs, but supporting smaller clubs too. So we are giving support to all clubs regardless of their size. So we are supporting them financially, which isn't easy in these difficult times. Alsace is one of the greatest areas of sport in France, including all cultures, all nationalities, and all disabilities. Thank you. Thanks, Margaret. Place maintenant à Monsieur Vincent Debesse, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg. Merci. Alors, c'est avec grand plaisir que je me retrouve ici, les salutations étant faites. Je voulais simplement... Voilà, merci, c'est bon. Oui, merci. Alors, je vais reprendre. Merci. Donc, très content d'être présent, comme les autres acteurs des différentes collectivités, Madame la maire, Madame la conseillère départementale, Madame la conseillère régionale et Monsieur le vice-président en charge des sports en handicap. Je suis vraiment content d'être présent. L'Eurométropole avait fait cette action et ce choix soutenu par la présidente Pia Imbs de répondre aux besoins particuliers dans le monde du sport, compétences pour la métropole, pas seulement des équipements sportifs, mais aussi des structures et des manifestations, de pouvoir soutenir principalement aussi davantage le sport féminin et le sport handicap. Le tournoi ici, ce tournoi international d'excellence, répond à ces deux critères, c'est-à-dire il y a du sport féminin, il y a du sport handicap, et donc ça rentre totalement dans notre logique. Ce tournoi est d'ailleurs beaucoup plus... qu'un événement sportif international, il constitue vraiment une réelle opportunité pour les différentes collectivités de sensibiliser au handicap. Il permet à plus de 120 sportifs et sportives non-voyants de pratiquer le football.
Le sport handicap joue un rôle déterminant dans le processus de construction de la société de demain, à savoir en matière d'égalité des chances, pratique sportive pour tous, sur l'inclusion sociale, changer les regards. L'autonomie, le cécifoot améliore les capacités physiques, psychologiques et sociales. Alors, au niveau de l'Euro Métropole, on a fait le choix de l'inclusion par le sport, un des axes de sa politique sportive, à travers notamment, je prends d'autres exemples, l'accueil des personnes en situation de handicap dans ses équipements sportifs, que ce soit les piscines ou les patinoires. Une meilleure prise en compte des personnes donc en situation de handicap lors des grands événements sportifs, épreuves adaptées dans les courses de l'Eurométropole de Strasbourg, l'Endirun, les 5 et 10, les kilomètres de marche, la mise en œuvre d'actions spécifiques en partenariat avec les institutions ou associations spécialisées. Des créneaux sportifs spécifiques ont été ouverts à la patinoire aux associations recueillant des personnes en situation de handicap. Un soutien financier, et cela rentre ici aux associations d'e-sport. Et c'est pour cela que nous sommes partie prenante pour ce tournoi international. L'encouragement des personnes en situation de handicap pour davantage de place dans les structures, au niveau des sièges, que ce soit par exemple dans la restructuration du stade de la Méno, l'adaptation des infrastructures sur les cheminements, sur l'accessibilité. Et ici, dans ce cadre de ces compétences, l'Eurométropole accompagne financièrement et d'une façon logistique, de toute façon, cet Eurotournoi. C'est une grande chance à ce que ça puisse être sur le territoire alsacien. Cela a été dit, c'est un territoire de sport reconnu et en plus en année olympique et paralympique, c'est vraiment un exemple concret de ce qu'on peut faire et accompagner pour qu'il y ait une inclusion totale par le sport. Donc voilà, grande chance, j'ai pu assister aux deux premiers tournois ici sur Schiltigheim. Il y avait vraiment de plus en plus de personnes présentes, c'est vraiment une belle dynamique et on pourrait presque le dire que sur certains matchs, comme au Racing, c'était à guichet fermé que ça avait lieu. Je me rappelle de certains matchs avec des pays d'Amérique latine, que ce soit le Brésil par exemple, où il y avait beaucoup de monde, et c'est vraiment un grand plaisir. Je ne voudrais pas oublier d'ailleurs le match France-Allemagne qui a eu lieu ici aussi, que ça avait drainé pas mal de monde de l'autre côté de la frontière. En tout cas, c'est vraiment un exemple porté par le club ici de Schiltigheim, soutenu bien sûr par les installations chilicoises à ce niveau-là, et qu'on est vraiment content de pouvoir participer à cette manifestation. Donc longue vie, et que ça puisse continuer, et je suis bien curieux de voir le tirage au sort pour voir ces rencontres, et qu'elles puissent être à des horaires compatibles à ce qu'on puisse venir au plus grand nombre. En tout cas, longue vie à ce tournoi, merci à tous les acteurs, merci au club d'avoir initié ceci au départ, et bonne chance à tout le monde en cette année olympique et paralympique. Merci beaucoup, Vincent Delez. So a short translation with Margaret. It's a great pleasure for me to be here, and to be able to reply to the need of sports, not only financially, but also encouraging people with handicap, disadvantaged people, and also women's football. Entering into our theme, we have been able to sensitive people to this blind football event that possibly they were not aware of before. It is important to have inclusion for all and to change people's views. And in this, the Euro Métropole has played a main part, inclusion in sport, welcoming people with handicap and a better recognition of people who may otherwise be disadvantaged. We have also given a financial commitment to helping these events. The international tournament with structures, places, chairs adapted for handicapped people. It is recognized both nationally and internationally, and more people are committed and are aware of what Schiltigheim is doing. The French-German match brought people together from the other side, and I was pleased to be able to participate and watch this match. I am looking forward to the draw, to seeing which teams will be against whom, and thanks to the club for organising and the support you have given.
Thanks, Margaret. Et on va finir avec Pierre Schlinger, comité directeur du Sporting Club Schiltigheim. Pierre, c'était vous. Bonjour à tous et je vais simplement me joindre à toutes les salutations qui ont été faites en y rajoutant des salutations particulières déjà à Daniel Itzelmann, président du Sporting Club de Schiltigheim, qui nous fait l'honneur de sa présence, Jean-Luc Génère, le président du CC Foot, et en matière de symbole, la présence de deux de nos joueurs du Sporting Club de Schiltigheim, mais pas n'importe lesquels, Mireille qui représente le CC Foot féminin, merci Mireille de ta présence. Et la et celle de Nelson qui est à ses côtés, à son côté, qui représente sûrement l'avenir du CC Foot en France et la naissance d'un, j'espère, un futur grand joueur. Merci Nelson de ta présence. Je voudrais aussi en profiter pour remercier les chevilles ouvrières de cet événement, sans lesquelles rien ne serait possible. Rémi Garanger, qui est caché là-bas derrière son écran, mais à qui l'on doit tout. Merci Rémi. Ivan, son symétrique caché derrière un poteau. Merci Ivan. Laurie qui est en vacances et Philippe Bettembourg. Merci à vous quatre, merci à tous les gens qui vous accompagnent. Ce que vous faites est quand même très extraordinaire. Enfin, bien évidemment, rien ne serait possible sans le soutien des collectivités. Elles ont pris la parole. Je voudrais y joindre les institutions du football qui, eux aussi, nous soutiennent. Grâce à vous, cet événement est possible. Je voudrais saluer tous nos partenaires, ceux de l'an dernier, mais aussi les partenaires majeurs. KS Promotion qui nous a rejoints, le groupe Vinci et sans doute la fondation du Crédit Mutuel que l'on attend avec impatience. C'est aussi grâce à eux que cet événement peut se faire. Je salue aussi les sponsors et les mécènes qui ne sont pas encore connus parce qu'on a besoin de ceux qui sont là, mais on en a besoin d'autres encore parce que les deux premiers événements, s'ils ont été une réussite populaire, sportive et sans doute inclusive, malheureusement, elles nous ont coûté un peu cher au Sporting Club de Schiltigheim, mais l'événement de cette année ne pourra se faire et se fera qu'à la condition que des partenaires encore nous rejoignent. Donc je lance un appel au peuple et à la presse. Oui, des mécènes, on en a encore besoin et ils seront les bienvenus. Voilà, voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Maintenant, place au tirage au sort. Merci à vous tous. Merci Pierre. The last translation with Margaret, thank you. I too wish to offer my thanks to the Sporting Club of Schiltigheim, Mireille representing the women's football team, and Nelson, a future player of the blind football in France. Thanks to Rémi, Yvan, Laurie on holiday, and Philippe Bettembourg. Nothing would be possible without all these people involved, also the sponsorship from the Crédit Mutuel and other sponsors not yet known to us. The cost to the club is enormous, and I shall be making an appeal to the public and the press for their support. Thanks. On peut remercier également Margaret pour les traductions. Avant de passer au tirage au sort, je sens qu'on a tous envie de découvrir les différentes poules. On va vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le blind football, le CC Foot, c'est la pratique du football. Pour les personnes ayant une déficience visuelle, il se pratique avec un ballon sonore équipé de grelots. Il y a 4 joueurs par équipe. Un gardien voyant, le terrain est réduit et entouré de barrières, des guides sont positionnés autour du terrain pour donner des informations aux joueurs. Cette discipline sera représentée aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Un magnifique stade éphémère sera placé devant la Tour Eiffel à cette occasion. Blind football is the practice of football for people with a visual impairment. It is practiced with a sound balloon with bells inside. There are 4 players per team plus a one-sided goalkeeper. The field is small and surrounded by barriers. Guides are around the field to provide information to players. The discipline will be represented at the Paris 2024 Paralympic Games. A temporary stadium will be in front of the Eiffel Tower for this.
occasion. That was for the sport. Now we're going to speak about the competition. The IBSA Blind Football World Grand Prix 2024. Sporting Schildigheim is organizing this tournament for the third year in a row. The IBSA Blind Football World Grand Prix is an international blind football tournament which aims to prepare teams for the Paris 2024 Paralympic Games. For 7 days, 8 of the best nations in the world will be with us. During this event, we will welcome 3 women blind football teams. They will hold friendly games to promote women practice beyond the sport. This event conveys powerful social and societal values in order to promote the inclusion of people with disabilities. This year, the tournament is organized in collaboration with the International Blind Sport Federation, IBSA, the City of Schildigheim and French Handisport Federation. Le Sporting Club Schildigheim organise ce tournoi pour la 3e année consécutive. Le IPSA Blind Football World Grand Prix est un tournoi international de cécifoot qui a pour vocation, bien sûr, de préparer les équipes aux Jeux Paralympiques de 2024. Pendant 7 jours, 8 des meilleures équipes du monde vont s'affronter pour remporter le tournoi. Nous accueillons pendant cet événement 3 équipes féminines de cécifoot. Elles réaliseront des matchs amicaux afin de promouvoir la pratique au féminin. Au-delà de la force sportive de cet événement, il véhicule des valeurs sociale et sociétale puissante afin de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette année, le tournoi est organisé en collaboration avec l'International Blind Sport Federation IPSA, la ville de Schildigheim et la Fédération française de handisport. Avant de passer au teaser 2024, remerciement également à monsieur le consul général du Japon, monsieur Uchida, pour sa présence. Thanks also to Mr. Uchida, to the General Consul of Japan for his presence. Remerciement également à Nicolas Riffel, parrain de l'événement, pour son engagement à nos côtés qui va permettre de faire rayonner l'événement. Thanks also to Nicolas Riffel for his support and his commitment to the event. So before the draw, now we're gonna see the teaser from this year. De belles images qui montrent bien, eh bien ce très beau sport qui est le cécifoot et la bonne ambiance qu'il y a toujours au Stade de l'Art. So now we're going to explain to you how the competition works. On va vous expliquer comment vont se dérouler les compétitions avant le tirage au sort. Ça va débuter dans un instant. The women's tournament, the 3 feminine teams will hold a tournament over 2 days. Friday, May the 31st and Saturday, June the 1st, they will play 2 games against each other. So 6 games during 2 days. Les 3 équipes féminines réaliseront un tournoi sur 2 jours, les vendredis 31 mai et samedi 1er juin. Elles feront des matchs aller-retour, c'est-à-dire 6 matchs en tout. On va passer au tournoi masculin, the men's tournament. The men's teams will compete in a tournament that will have exactly the same format as the Paralympic tournament. The teams will be divided in 2 groups of 4 teams. The team finishing in first and second place from each group will play the semifinals and finals. The 2 others from each group will play classification game.
The competition will begin on Sunday, May the 26th, and end on Saturday, June the 1st. Wednesday, May the 29th, will be a day off. The opening ceremony will take place on Saturday, May 25th at 6 p.m. at the Art Stadium. During this ceremony, we will also have the privilege of carrying out the official draw for the Blind Football Paralympic Tournament. Le tournoi masculin, les équipes masculines réaliseront un tournoi qui aura exactement le même format que le tournoi paralympique. Les équipes seront réparties en deux poules de quatre équipes. Les deux premières de chaque poule joueront les demi-finales et les finales. Les deux dernières de chaque poule joueront des matchs de classement. Les matchs débuteront le 26 mai et se termineront le samedi 1er juin. Le mercredi 29 mai sera un jour de repos. Et là, c'est une énorme nouvelle. La cérémonie d'ouverture aura lieu le samedi 25 mai à 18h au Stade de l'Art. Et nous aurons également le privilège d'effectuer le tirage au sort officiel du tournoi CC Foot Paralympique lors de cette cérémonie. Et je pense que ça peut s'applaudir quand même, parce que c'est quand même une grande et belle nouvelle. So let's discover the teams which are going to compete in the tournament. On va découvrir les équipes qui vont donc jouer ce tournoi. Women's Tournament, le tournoi féminin. L'Allemagne, Germany, Austria, Autriche et le Sporting Club Schiltigheim. Voici donc les trois équipes qui joueront le tournoi féminin. For the Men's Tournament, Brazil, Turkey, Argentina, Japan, Colombia, Thailand, China, and of course, France. Voilà les différentes équipes qui joueront donc lors de ce tournoi du World Grand Prix 2024. Now it's time for the draw from the IBSA Blind Football World Grand Prix 2024. On va le lancer, ce tirage au sort. First of all, we're going to make the draw for the women's competition. So the three teams will be part of a single group, as the host team Sporting Club Schiltigheim is placed in first position in the group. The draw will determine the positions of the two remaining teams. Les trois équipes feront partie d'un seul et même groupe en tant qu'équipe hôte. Bien sûr, le Sporting Club Schiltigheim est placé en première position du groupe. Le tirage au sort va donc déterminer les positions des deux équipes restantes. On va demander à Daniel Dijon de venir faire le premier tirage au sort de la journée. We ask Daniel Dijon to come for the first draw of the day. Et on peut également appeler Mireille Le Flair, qui peut venir immédiatement nous rejoindre pour le deuxième tirage. So Sporting Club Schiltigheim is number one, and we're going to see Germany maybe number two or number three, or Austria the same, maybe number two and number three in the group for the women's tournament. Daniel, une à gauche, enfin on va commencer à droite, for the countries, on verra. Vous pouvez le montrer devant. Germany. So Germany will be number three in the group. L'Allemagne est donc numéro 3 dans le groupe du tournoi féminin. Et place donc maintenant à Mireille pour le tirage. Pour la suite, on va mettre ça là. Là, tu as les pays et là, tu as le groupe. Voilà. Ouais. Le pays, on commence par la droite, ici. Voilà. Et sans surprise, c'est bien sûr l'Autriche, Austria. Merci Mireille, on va tirer. Il n'y avait pas trop de suspense, mais il faut quand même le faire. Et là, donc, tu as le groupe, je vais te reprendre la boule. Voilà, super. Et là, tu as la place dans le groupe.
And so Austria is number 2. Sans surprise, l'Autriche est donc numéro 2. Merci Mireille, merci à Daniel également d'être venu faire le tirage au sort de ce groupe de tournoi féminin. So as you can see, Sporting Club Schiltigheim number 1, Austria number 2 and Germany number 3. Numéro 1 Sporting, bien sûr, le Schillig de l'Autriche et numéro 3 l'Allemagne pour ce tournoi féminin qui se dérouleront donc le samedi et le dimanche pour clôturer en beauté ce tournoi du Blind Football World Grand Prix 2024. Let's go, let's do the draw of the men's tournament of the ABSA Blind Football World Grand Prix 2024. The eight teams will be divided in two groups. In order to form the groups, the teams will be divided in four pots, two teams per pot, according to the position on the 2024 IPSA Blind Football Ranking. Argentina is first, Brazil second, Japan third, Thailand fourth, China fifth, France sixth, Colombia 12th, and Turkey 15th. For promoting the sport, France will be allocated as A in group 2. So the four pots, pot 1, Brazil and Argentina. Pot 2, Japan and Thailand. Pot 3, China and France. Pot 4, Colombia and Turkey. Pot 3 will be formed by China and France, as France will be allocated in group 2. China will automatically be in group 1. The rest of the pots will be divided between group 1 and group 2. Once the group are formed, the teams in group 1 receive the letter A, B, C, or D, and the teams in group 2 will receive any of following letters, B, C, or D. As I said before, France will automatically have letter A. Je vais vous le faire en français, ça va être beaucoup plus simple. Les 8 équipes vont être divisées dans deux groupes, le groupe 1 et 2. Pour l'instant, ça va. Sur la base du classement IBSA 2024, les 8 équipes vont être réparties dans le chapeau. Les deux équipes qui ont le meilleur classement seront dans le chapeau 1, les deux suivantes seront dans le chapeau 2, et ainsi de suite. Voici les chapeaux. Donc le chapeau 1, Brésil et Argentine. Le chapeau numéro 2, Japon et Thaïlande. Le chapeau numéro 3, Chine et France. Et le chapeau numéro 4, Colombie et Turquie. La France a été positionnée d'office dans le groupe 2 en position A. De ce fait, la Chine est automatiquement positionnée dans le groupe 1. Dans la première partie du tirage au sort, les deux nations d'un même chapeau seront placées dans un saladier, comme ceci. Et les groupes 1 et 2 seront placés dans le deuxième saladier. Nous allons donc effectuer 3 tirages. La deuxième partie du tirage au sort va consister à attribuer une lettre à chaque nation au sein de son propre groupe. Cela déterminera l'ordre des matchs. Les 4 nations d'un groupe seront placées dans un saladier. Les lettres A, B, C et D seront placées dans un autre saladier. Les tirages au sort donneront la première partie de notre planning de match. Vous allez le comprendre en le faisant. Ça va être beaucoup plus simple. On va y aller ? Allez, let's go. Daniel Dambard, maire de Schiltigheim pour the first draw. C'est toujours un peu compliqué les tirages au sort, mais une fois que c'est lancé, ça se simplifie, il n'y a pas de problème. Exactement. Exactement. So, the pot 1, Brazil and Argentina. Which group for Argentina? Argentina group 1 for Argentina. So with China, as I said before, France is on group 2, so thank you so much, Daniel. Nelson Hoffman, joueur de CC Foot au Sporting Club Schiltigheim, également Pierre Schlinger, comité directeur du Sporting Club Schiltigheim, qui vont venir tirer une boule chacun. Pierre, si vous voulez. Nelson, on va te laisser tirer le pays. Il est là. Voilà. Sans trop de surprise, ça devrait être le Brésil. Brazil. Super, thank you. Merci beaucoup, Nelson. Le Brésil qui sera donc dans le groupe. On va voir ça avec Pierre pour le tirage au sort. Attention, voilà, super. C'est pas le tirage au sort le plus compliqué sur ce coup-là. Brazil group 2 with France.
Ça commence fort pour les Français et pour le Brésil. On a déjà eu de belles rencontres ici à Chilticam entre le Brésil et la France. On va passer au pot number two, Japan and Thailand, and for this next draw. Gaël Rivière, vice-président de la Fédération française de handisport, et monsieur, je vais y arriver. Vincent Debesse, pardon, excusez-moi, tout va bien. Gaël Rivière et Vincent Debesse, s'il vous plaît, pour le prochain tirage au sort. For the pot number two, Japan and Thailand. Pour l'instant, en groupe 1, la Chine et l'Argentine. Le groupe 2, la France et le Brésil. Les pays sont là. La Thaïlande. Thaïlande. Et les groupes sont à gauche, là. Voilà. Tu peux y aller ici. Merci beaucoup. So Thailand in group two with France and Brazil. OK, thanks a lot. Merci beaucoup, Gaël. On va passer à monsieur Pierre Debesse. Pierre Debesse. Ça peut pas ça du tout. Vincent Debesse, c'est mieux peut-être, non? Alors là, c'est le numéro. On va commencer par le pays, si ça ne vous embête pas. Japan, sans trop de surprises, ils iront forcément dans le groupe numéro 1 avec la Chine et l'Argentine. On va vérifier quand même pour que tout soit clair. Group number 1 for Japan. Merci beaucoup à vous deux pour ce tirage au sort. On va passer non pas au pot 3, because pot number 3 is China and France, and they are are China in group 1 and France in group 2. So we're going to do the pot number 4, Colombia and Turkey. And for this draw, we call Mr. Ushida, Consul Général du Japon. So first this side and after this one. L'avant-dernier tirage avec la Colombie, Colombia. Colombia number two, group number two for Colombia with France, Brazil, and Thailand. Thank you so much. You can do the others, please. Can you just draw the two others? Merci beaucoup. On va tirer les deux derniers, bien sûr. La Turquie qui sera donc dans le groupe 1 avec la Chine, l'Argentine et le Japon. Turquie. Group number one. Thank you so much, Mr. Uchida. It's perfect. On a donc les groupes. We have the groups. Group one, China, Argentina, Japan and Turkey. Group number two, France, Brazil, Thailand and Colombia. On va passer à la deuxième partie du tirage au sort qui va consister à attribuer une lettre à chaque nation au sein de son propre groupe. Cela déterminera l'ordre des matchs. Les quatre nations d'un groupe seront placées dans un saladier. Les lettres A, B, C et D seront placées dans l'autre saladier. Le tirage au sort donnera les premières parties des matchs avant, bien sûr, les demi-finales, les matchs de classification et tout ça. The rest of the pots will be David. Once the group are formed, the teams in group 1 will receive the letter A, B, C, or D, and the teams in group 2 will receive any of the following letters, B, C, or D. And as I said before,
France will automatically have the letter A. Pour le prochain tirage au sort, on va appeler Irène Weiss, conseillère régionale déléguée Grand Est, et Nicolas Riffel, le parrain et agitateur gastronomique. So we are in the, have the group one with Argentina, Japan, China, and Turkey with the letter A, B, C, and D. Okay. So on your right, the teams, on your left, the letter. So you can. One team, one letter. Each. Non, non, vous, bah, comme vous voulez. Comme vous voulez. Argentina. Ouais, ouais. D, the letter D for Argentina. Your turn. Ensuite, on va appeler Gabriel Reb, président du CCIT, Fédération des aveugles du Grand Est, plus Anne-Gaëlle Bartos, également directrice du CCITE, Fédération des aveugles du Grand Est. Allez, c'est à vous, Nicolas. Turquie. Turquie with the letter B. Thank you, Nicolas and Irène. You are welcome. Merci Filmholz, comme on dit ici en Alsace. So your turn, the teams on your right and the letter on your left, les équipes à droite et les lettres à gauche. Japan. So, the letter. Japan will be the letter D, C, C, letter C for Japan. And so the last one, le dernier, la lettre C pour le Japon, à l'instant. China. With the letter A. Thank you. Merci beaucoup, China. Letter A, A pour l'équipe de Chine. On a donc les différentes équipes, vous le voyez à l'image, avec la Chine, la Turquie, le Japon et l'Argentine. Voilà l'ordre. On verra ensuite, we're going to see after the schedule of the tournament. Pour la suite, on va appeler Daniel Diligent, élu de la CEA, à nouveau et Mireille Leflair, joueuse du Sporting Club de Schildkheim, pour la suite du tirage au sort. So we're going to have three teams, three letters, because France is, as I said it before, number in the group two with the letter A. Mireille, est-ce que tu peux nous rejoindre? On se souvient du magnifique coup franc de Mireille l'année dernière, qui était extraordinaire. Donc on peut l'applaudir encore une fois, parce que franchement, c'était...
Et c'était pas contre n'importe qui, hein, c'était face à Sampaoli, donc encore plus de respect. Bravo Mireille. So, Thailand. La Thaïlande avec la lettre. With letter C. Avec la lettre C, la Thaïlande. Merci à vous deux encore une fois pour ce tirage au sort. On va appeler Alain Nedelec, président comité handisport du Bahrain, représentant également le comité. Non, on va passer. Ah, ok, Alain et Alain Nedelec, donc, et Sophie Mémon-Pazir, élue à la ville de Chilticayme. Vous allez être toutes les deux, tous les deux présents avec nous pour ce tirage au sort. Alors pour l'instant, in the group 2, France is number A and Thailand is number C. Après vous. Brésil, le Brésil en lettres, on va découvrir ça dans un instant. La lettre D, D, Brazil, with the letter D. Thank you so much, merci beaucoup pour ce tirage au sort. On va appeler maintenant Francis Willig, président commission foot pour tous à la LGEF, et Joël Tanter, ancien joueur du Racing, bien sûr, qu'on ne présente plus, champion de France en 1979. Messieurs, si vous pouvez nous rejoindre. Il n'y aura pas trop de surprises, normalement. On va attendre Joël, bien sûr. Colombia, la Colombie avec la lettre B, with the letter B. Thank you so much. Merci beaucoup, messieurs, pour ce tirage au sort. Ça y est, les groupes sont faits. Ils sont là, ils sont présents. You can see it on your screen. China, number one in group one. Turkey, number two in group one. Japan, number three. Argentina, number four. And in group two, France, Colombia, Thailand and Brazil. So we have the schedule, maybe, of the tournament. On a peut-être les matchs qui vont s'inscrire, qui vont se montrer peut-être à l'image. So the tournament will begin with Japan, Argentina on the 26th May. After that, we have the Thailand, Brazil, China, Turkey, France, Colombia. You can see every match, every games going to happen during this tournament. So thank you so much for being with us today for this draw of this IBSA World Grand Prix 2024 qui va donc se dérouler ici à Chilticayme. Merci à tous d'avoir été présents avec nous ici dans la salle du conseil à Chilticayme. Thanks a lot for being with us on internet, on live on internet. So thank you so much and see you soon in Chilticayme. Merci à tous.